Gang gang, pour cette vidéo, il y a un nouveau clash qui vient d'ouvrir entre Booba et Kalash. Toujours en concours. Oups, fiche de pute. Libéré dit en cellule, là dans ma tête c'est vraiment le déluge. Dehors c'est le S quand tu tombes ici nul, ça envoie pas un mais ça fait entrer des thunes. Elle me dit qu'elle est pro, mais je la vois faire la folle. Elle veut que je l'appelle Mia Mosler, oui après je me téléporte. Si c'est la F, hein, si c'est mon pote. Je suis Gang Gang, c'est Fico, j'espère que vous allez bien, comme ça va nickel, comme d'habitude, toujours sourire, bye mon iglo. Gang Gang, pour cette vidéo, il y a un nouveau clash qui vient d'ouvrir entre Booba et Kalash. Mon iglo, je vous explique, il y a un featuring qui vient de sortir justement entre Kalash et Damso. À mon iglo, tu vois, Booba, il a directement réagi dans sa story en clashant directement Damso et Kalash. Alors le truc, c'est que tu vois, il a repris directement une publication que Kalash, il avait mis directement dans sa story. Gros, mon iglo, dans le message, Kalash, il disait directement... Gros, tu vois, Kalash, il avait mis directement, ça fait plus d'un an que j'attends de sortir ces morceaux. Demain, c'est la fête. Fucking it. Et il a identifié directement Damso. Gang gang, tu vois, Booba, il a directement repris le message de Kalash et il l'a mis dans sa story en laissant un petit message justement à Damso et Kalash. Bref, comme tu peux le voir, en gros, Booba, il a directement commenté éclaté au sol, Hassoul, c'est la cata. Et il a identifié Damso et Kalash directement. Tralala, mon iglo. Bah, tu vois, Damso, il a pas réagi par rapport à ça. Mais Kalash, mon iglo, il vient justement de réagir. C'est pour ça que j'ai attendu de voir s'il y a un des deux rappeurs qui allait réagir avant de tourner cette vidéo. En gros, mon iglo, Booba, il les a clashés hier et Kalash, il vient seulement de réagir il y a même pas une heure. Bref, les gang gang, comme je sais qu'il y en a qui ont pas Instagram, qui ont pas Snapchat, qui ont pas Twitter, qui peut pas voir tout ça, je me suis dit, tonton Fico, t'es obligé de leur parler de ça. Mon iglo, on va voir directement la réponse de Kalash à Booba. Bref, les gang gang, comme tu peux le voir, Kalash, il a directement réagi tout en haut en rouge en disant, c'est Kalash mon profil, tu ne peux pas me marquer car tu m'as bloqué. Il a mis directement la preuve comme quoi Booba, il l'avait bloqué, quoi. Ah là là, mon iglo, bon, je trouve que sur le coup, il a répondu intelligemment, Kalash. Je pensais qu'il allait être un peu plus violent, mais en fin de compte, non, franchement, tranquille. Il lui a simplement dit, identifie mon vrai compte au lieu d'identifier un compte qui existe pas. En gros, pour pouvoir identifier le vrai compte, il faudrait qu'il débloque directement Kalash. En gros, Kalash, dans le message, il nous a fait comprendre que Booba, il l'a directement bloqué sur Instagram. Donc, le gang gang, est-ce que c'est de la jalousie parce qu'il a fait un featuring directement avec Damso? Franchement, je sais pas, mais Booba, on dirait quand même une meuf possessive. Oh, tu vois, des rappeurs qui ont fait des featuring avec lui, ils ont pas le droit d'aller faire des featuring avec des autres. Après, tu vois, moi, le gang gang, ça m'empêche pas d'écouter Booba, je sais faire la part des choses entre la musique et le clash. Ah, bref, le gang gang, après, tu vois, ça, c'est que mon avis, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires et à me dire justement pour qui t'es entre Kalash et Booba. D'habitude, toujours un petit sondage dans la vidéo, donc n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires et tu peux commenter plusieurs fois, je vous dirai dans la prochaine vidéo qui a gagné parmi les commentaires. Passage, je le dis et je le répète, mon compte Instagram il est directement dans la description pour ceux que ça intéresse, je mets des images non floutées que je peux pas mettre sur YouTube, bah, je les mets directement en non flouté dans ma story Instagram. Donc le gang gang, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à venir t'abonner le plus vite possible. Puis si jamais t'as Snapchat, n'hésite pas à venir t'abonner aussi, c'est là où je me trouve le plus souvent hors YouTube et hors Instagram. T'inquiète le gang gang, si jamais t'as pas Instagram, t'as pas Snapchat, t'as pas Twitter, t'inquiète, ton Fico est là pour te parler de tout ce qui se passe sur les réseaux. En attendant moi gang gang avec ma baby Zoja, je te dis à soir pour une nouvelle inconsciente, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Bah oui mon iglo. Allez, je te parle d'un truc. Du truc. J'ai essayé de stopper la clope. J'ai fumé deux fois plus de shit. Alors j'ai continué l'alcool pour pas tomber dans un autre vice. Bienvenue dans les années folles. Du son en hall qui pue la pisse. T'es arrivé, tu faisais la conne. Maintenant que t'es la bande, la glisse. Après deux piges, c'est plus pareil. La rage au ventre, t'en veux au monde, à la juge, à tous ces surveillants. Pour trancher, il te faut un petit million. Mais là, t'as ton petit mélange. Fond de feuilles, t'es chaud bouillant. Maintenant tu le sais, quand y'a un faux tu le sens. Celui qui passe tu le sers, 50 grammes ça fait 200. Tu comptes vite mais ce qui rentre ça sort. Tu cherches encore celui qui t'a niqué, t'as tes piques dans l'ascenseur. C'est à la base, ta salope m'a mis du fer. M'arrive en bâtiment, va demander le bracelet. La suite sert à rien, j'ai dû faire ma peine pleine. J'suis passé en RPS, ils m'ont enlevé qu'une journée. Y'a que ma grand-mère qui compte pas ça pour les gadgets. Pas trop à tête à ça, en plus j'ai que des gamines. J'mets des streams, pas jeans, j'm'en baille d'avoir style. On a des trucs à dire, pas loin autour des tagines. Ouais, ouais, arrête de parler et agis. J'ai une grosse dingue, j'sais pas pourquoi tu t'agites. Dans le rap ou dans le trafic, j'suis obligé de vendre. À son fils bip, cherche le meilleur tuyau. Faut que tu sois rentable si tu veux me côtoyer. Eh, côté sur le terrain, j'vois qu'ils sont pas contents eux. J'entends les ravis, il a kiffé le bail. J'entends les jaloux qui pénavent. La rage au studio, j'fais flipper le mic. Sur le terrain, ça les dit pénal. Vois pas, tu t'affiches, t'es devenu pathétique. Dans ta matrix, entends le frère, c'est pathétique. Allez, que j'te parle d'un truc. Du truc. Marcherin dans ma ville, pas tout fait dans ma vie. Respecté dans ma vie, je marche pas calibré. J'en reste seul et ça je le sais depuis. J'ai cherché le trésor toujours au fond du puits. J'ai pas fait le bon choix. Mais j'ai trop doulé, charbonné, j'ai pas le choix. Le sort dans ma broche, je gratte des textes. Et Bozo me dit y'a que le travail qui pèse. Ne crois pas que ça va venir en grattant les fesses. Donc je pose au studio objectif dans ma tête. Parle-moi liquide sinon parle.